Salut tout le monde, c'est Demaslash. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour la suite du Super Rod, donc l'épisode 3. Donc du coup, bah voilà, vu que j'enchaîne les épisodes. Hein. Alors ici, on va se grouiller parce que... Voilà. C'est pas un niveau... C'est un niveau facile, je crois, c'est un tutoriel, il me semble. Non, peut-être pas en fait. Ah non, c'était pour montrer la nouvelle arme. Enfin, la nouvelle arme, je comprends. Une autre arme qu'il y a dans le jeu. Donc c'est comment on va dire comment on peut appeler ça, c'est comme un, c'est une M16 je crois en fait, en rafale, c'est une rafale, voilà. C'est une automatique plutôt, voilà, et elle tire 4 balles d'affilée, hein, voilà, ça qui est cool, qu'on peut niquer du monde en très peu de temps. Vous voyez, tuer tout le monde et c'est cool parce que c'est ça, c'est super utile. Quand on a plusieurs ennemis qui sont à côté de l'autre, ou quand ils sont derrière vous, que vous n'avez pas le temps de tirer, bah, au lieu de ça tire 4 balles, vous tournez, le temps que vous tournez, là, bon, les balles, il y en a qui partiront sur le côté, bien entendu, mais il y en a quand même une qui touchera l'ennemi derrière. Accès non autorisé. Voilà. Hop. Là, on avance un petit peu, c'est dans l'histoire, ne vous inquiétez pas, c'est pas un bug du jeu. Là aussi, c'est pas un bug du jeu. C'est bizarre, hein, mais c'est... vous allez voir, vous allez comprendre, hein, c'est quoi l'histoire du jeu. Et surtout, c'est un peu, c'est bizarre, je veux pas vous le cacher, c'est assez spécial. Donc là on a un petit chat, gourou de chat, alors je sais pas c'est qui. Tiens, que voilà, ça fait des heures que j'essaie de te parler, tu jouais pendant tout ce temps. Donc là en fait moi avec la gâchette, je passe, c'est passé vite. Trop, ça m'a fait pareil la première fois. Vas-y accélère tant que je pouvais pas arrêter. Ensuite. Début. Il se passe un truc à un moment. C'est une question. Je ne voulais pas te spoil, mais au point où tu en es, ils ont ajouté des niveaux, mais ils sont protégés par mot de passe. Sérieux, c'est naze. Carrément. Je te l'envoie quand même. Dis-moi si tu trouves un moyen d'y jouer. Fin de discussion. Donc là, on télécharge les nouveaux fichiers. Donc une mise à jour. On va craquer hein, le jeu. Donc taper avec les gâchettes, excusez-moi parce que j'entends regarder un truc. On tape un code, voilà, au pif. Je tape rien du tout. Ensuite, on va retaper un code. On appuie sur entrée, on envoie. Accès autorisé. Ensuite, on attend. Alors, vous allez voir, ici c'est un peu spécial. Hop, excusez-moi. Donc du coup, on se retrouve dans cette map. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc on voit qu'il y a des caméras quand même. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, je sais même pas si j'ai... Moi, je l'ai pas remarqué hein, depuis le début du jeu qu'à la fin. Mais là, je remarque qu'il y a des caméras à chaque niveau, j'ai l'impression. Donc, on nous espionne. Et puis, on nous surveille. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas un truc à nous protéger. Ah non, d'accord, il n'y a que dalle, c'est de la merde. Ah non, ça va, non, c'est pas de la merde. Non, c'est juste que, vu que c'est un niveau craqué, je pense qu'ils essayent. Ils ont craqué le système, voilà. Donc, ils essayent de nous virer, en fait. Donc, on voit qu'il y a plusieurs ennemis. Et on voit, malheureusement, vers la gauche, je sais pas si vous voyez en noir, là, des armes, des fusils à pompe. Donc. Nous, on va galérer. Parce que lui, il a déjà une rafale. J'appelle ça une rafale, mais bon, appelez ça comme vous voulez. Parce que ça tire en automatique. Et là, on est dans la merde. Parce que lui, prend un fusil à pompe. Ils vont tous prendre un fusil à pompe. Donc, le mieux, c'est que. Il tire une deuxième fois. On le nique. On prend son arme. On tue ses potes. Non, attendez pas à lui. Il n'y a pas d'armes ici.
C'est bizarre qu'il n'y a pas d'armes. Ils ont craqué le système. Donc en fait, on peut voir que c'est des systèmes un peu bizarres. Oh, ça tient en rafale le bordel. Un coup de fusil à la pompe, s'il te plaît, mon pote. Oups. Oh merde, je suis dans la merde. Oh putain, je suis dans la merde. Oh la vache, j'ai cru que j'avais esquivé. Pourtant, je me rappelle que le niveau-là, je l'avais quasiment fini en un coup, il me semble, la dernière fois. Et bon, vous voyez, je ne sais plus comment j'avais fait. Peut-être si je commence par là. Coucou! Ouais, Bartos, ce serait mieux. Pff, vache. Ah oui, bah oui, c'était sûr. Je pensais que mes balles auraient cassé ses balles en fait. J'aurais peut-être dû lancer l'arme pour casser les balles, peut-être. Vous voyez, c'est assez complexe. Ils ont craqué le système, bah oui, ils ont craqué le système, mon poteau. J'ai pensé à un truc, mais on va essayer de le faire. Non, oh, j'ai compris maintenant, c'est bon. Je pense savoir comment faire. Il va être surpris si j'attaque par le haut. Oups, la merde. Deux balles, il y a dans un fusil à pompe, hein. Je vous l'ai pas dit. Là, il est mort. Et il me semble qu'il y a l'autre en tant que la phare. Ah non, il est mort lui, non? Il est là. Alors voilà, on a gagné. Vous voyez, en fait, il fallait juste sauter. Enfin, en fait, vous pouvez avoir des techniques hein, pour les niquer. Il n'y a pas que ça. Localisation de l'intrusion. 100%, donc on a mal localisé. Nous voyons. Vous avez pu un peu apercevoir quelqu'un qui était derrière une fenêtre, je crois, si je ne suis pas trompé, en train de faire quelque chose. On verra par la suite ce que c'est. Je veux jouer, moi, foutu mot de passe. Hop. Il s'est passé un truc chelou, je crois que je me suis vu dans le jeu. Voilà. Donc voilà. On aurait presque dit ma chambre. Mais je crois que ça l'était vraiment comme un rêve. Là, j'ai réussi, mais laisse tomber, le jeu est trop buggé. Il est buggé depuis le début, allez mec, si tu joues, c'est grâce à moi. Tu m'en dois une. J'ai pas écrit ça. Je pense que tu joues trop. Mec, sérieux. Pourquoi tu me fais ça? Ouais, donc je crée ce que je veux pour voir, pour montrer ce que si ça bug vraiment. Et ils m'ont changé. Je pense que ni toi ni moi ne devons jouer à ce truc. Ouais, ouais, Osef, tu me saoules. Or, est-ce qu'il s'appelle Osef? Je ne sais pas. Ou au moins que c'est un truc comme ça pour dire tu me fais chier ou quoi comme ça. Je sais pas du tout. Donc mise à jour. Et vous voyez que on nous a contrôlé là dans le jeu. On nous contrôle. Pour changer notre écriture, donc voilà. Donc comme on a pu voir, en fait, c'est bien nous, hein, bel et bien nous qu'on s'est vu à travers la fenêtre vaguement. C'est bien nous. Voilà, le dictaciel. Donc là par contre, c'est des enculés. Hein. Là, je vais vous le dire, c'est enculé. Attendez le signal. Oui, bah j'attends le signal, enculé. Marcher. Non, c'est pas encore là, je crois, les enfoirés. C'est après, mais par la suite, vous verrez cette cage. On la verra plus d'une fois. Continuez, ben, on peut pas avancer donc. Droit devant. En fait, je sais plus, il y avait un truc bizarre. Rien à faire. Oui, bah j'avance. Rien à faire, on peut pas avancer. Bon, je vais avancer moi. Et j'ai l'impression qu'on nous filme en fait derrière là-bas. Regardez. Il y a des caméras là. On est un sujet de laboratoire dans une cage.
Non, je sais pas en fait, hein, mais. Oui, là on nous filme encore, là, en train de m'enfoirer. Ouais. Ah oui, ne bougez pas. Alors, faut pas bouger. 5. Et si vous bougez, normalement ça va revenir à 0 le temps. J'ai déjà fait pour tester. Je ne bougerai pas. Voilà, c'est ça, les ont tué les bons chiens. Mais je vous foutre une. Chien, les meilleurs. Enculé. Ah, je fais rien. Hein. Ah oui, je suis un peu snipe. Hop, hop, on prend cette arme. Hop, ici, on éclue. Ici, un mec. Hop, bim. Il est mort. On va prendre juste l'arme du mec, le A, ici. Est-ce que c'est correct? Ah ouais, 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 je me rappelle de ça. C'est chaud. Il est mort lui, voilà. Soyons attentifs, ou soyez attentifs, je sais pas ce qui était marqué. Ah bah ouais, hein. Soyez attentifs, je sais, hein. Merci. Donc là on a, ouais, on a plus de munitions. Ce bruit là. Oui, c'est utile quand même. Cette arme. Ici un mec. Merde, il n'y a plus de munitions. Bien vérifier aux alentours, ce que je ne fais pas tout le temps. Voilà, donc ça, il n'y a personne. Mais écoutez, je ne sais pas combien on est de temps. J'appuie sans faire gaffe. Bonjour. Écoutez, on va essayer de voir en combien de temps. On est à 13 minutes, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera pour l'épisode 4 prochainement. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.